Hey, salut tout le monde, c'est Spectrolo, comment ça va? On se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis, et là on se retrouve pour un unboxing de la console Wii U, donc le pack Zelda, The Legend of Zelda The Wind Waker sur la Wii U. J'espère que vous voyez bien, voilà tout. Voilà, donc avant de commencer l'unboxing, je voulais vous montrer un petit peu ma petite collection de jeux vidéo de Zelda. Voilà, on commence par la petite figurine là, je sais pas si vous la voyez. Voilà. Ensuite, j'ai eu différents jeux. Donc j'ai Ocarina of Time sur la Nintendo 64. Ensuite, voilà, j'ai pas mal de jeux, des Zelda Minish Cap. Voilà. J'ai The Legend of Zelda Minish Cap encore en boîte. J'ai The Legend of Zelda Ocarina of Time 3DS, c'est le remake. J'espère que vous voyez bien parce que je fais ça avec la caméra que j'ai acheté. Zelda Spirit Track sur DS. Ensuite on a du Zelda Twilight Princess sur GameCube. On a également le Zelda Twilight Princess sur la Wii. Voilà. Nous avons aussi The Legend of Zelda The Wind Waker, le simple, le banal, qui est sorti en 2003 sur GameCube, voilà. Et ensuite, nous avons le The Legend of Zelda The Wind Waker sur la GameCube. C'était une édition limitée avec le The Wind Waker et l'édition collector qui est Ocarina of Time et la Master Quest. C'est vraiment très très sympa, j'étais vraiment très très content de le trouver. Ensuite on a du The Legend of Zelda A Link's Awakening. Nous avons du Oracle of Edge de Zelda, du color. Voilà. Et on a aussi l'édition collector de Zelda, malheureusement je l'ai pas en boîte, mais bon voilà. Voilà, si vous voyez bien. On a le Zelda Skyward Sword aussi sur la Wii. Voilà. Avec le CD orchestral et tout ça, c'est vraiment très très sympa. Je suis vraiment fan de Zelda et ben, je pense que ça, ben, vous le voyez. Il y a aussi du The Legend of Zelda Link to the Past que j'ai fait en let's play sur ma chaîne YouTube. Voilà. Et on a aussi le The Legend of Zelda Majora's Mask, Master Quest, que je fais actuellement en let's play sur émulation. Sur l'émulateur avec Chrono en joy commentary. On a du Phantom Hourglass en Zelda sur DS. Et nous avons la petite sacoche sympa. Voilà, donc là je vous ai montré un petit peu tous les jeux Zelda que je possède, ma petite licence préférée Zelda. Et on va commencer l'unboxing. Et bien avant ça, je veux remercier Stock Gamer. Ah, c'est eux qui m'ont pu, j'ai réussi à avoir cette console sur la Wii U, donc Stock Gamer, vraiment un énorme remerciement. J'ai eu du mal à la trouver, la console. J'étais dans 17 boutiques dans Paris, je ne l'avais pas trouvée et Stock Gamer l'avait, donc un énorme remerciement. En plus elle est en édition limitée, à savoir que l'édition collector avec le jeu et la figurine Ganondorf s'est vendue 200€ sur Amazon. Donc attention. Oh, excusez-moi le micro. J'ai dû le faire bugger. Non, c'est bon. Ok, donc ça c'est nickel. Et là on va commencer tout de suite l'unboxing de Zelda. Voilà, The Legend of Zelda. The Wind Waker HD sur la Wii. Je suis vraiment très très content d'avoir cette nouvelle console. Je me suis dit, bon, je vais essayer d'avoir cette nouvelle Wii U. Avant il n'y avait pas le pack Zelda, donc je me suis dit en attendant une petite baisse de prix, et on l'a eu. Donc en plus on a eu le Zelda, le haut définition, donc je suis vraiment très 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 content. Donc on va commencer tout de suite l'unboxing. Donc ce qu'il y a à l'intérieur, il y a vraiment pas mal de choses, donc je vais un peu lire ce qu'il y a. Donc en français s'il vous plaît. Ah voilà. Console Wii U version européenne, voilà. 32Go de stockage, donc contrairement à l'édition basique de la Wii U basique qui est de 8Go il me semble, au prix de 280€. Ensuite nous avons le Wii U Gamepad, le bloc d'alimentation Wii U, bloc d'alimentation Wii U Gamepad, câble HDMI haute vitesse, et oui c'est du HD. Nintendo a mis le paquet et a enfin fait une console HD. Ensuite on a une station de recharge Wii U Gamepad, du support Wii U Gamepad, support pour console Wii U, le capteur Wii,
On a le code de téléchargement pour le jeu The Legend of Zelda Wind Waker HD sur la Wii U. À savoir que ce pack contient le Zelda, mais en version virtuelle. Donc ça veut dire que vous n'avez pas la version support, vous n'avez pas la version boîte comme ça par exemple. Voilà. Parce que ça c'est un petit peu dommage, mais bon voilà, on va pas trop s'attarder dessus, tout simplement car on aura le jeu, on a juste à le télécharger, mettre le code et puis voilà. Ensuite on a la batterie Wii U Gamepad, le stylet Wii U Gamepad, guide de démarrage rapide, mode d'emploi Wii U, livret d'informations importantes, et cet élément est inclus dans le Wii U Gamepad. Donc on va commencer tout de suite le boxing. Voilà, là je suis vraiment content. Donc on va commencer tout de suite l'unboxing. On va essayer de pas abîmer ce pack édition limitée hein, de ce Zelda qui a l'air vraiment fantastique. Est-ce qu'on va réussir à l'ouvrir par contre? Je ne sais pas. Alors, mais qui galère, c'est... Ah là, voilà, on peut l'ouvrir de l'autre côté, c'est nickel. Voilà, comment ça se voit? Oui, c'est mon premier unboxing, c'est mon deuxième unboxing après comment ça s'appelle déjà, le Naruto Shippuden Ultimate Gear Storm 3, que j'avais fait un unboxing dessus. Et ah, c'est bon, c'est nickel. J'ai même pas eu besoin de la petite épée comme ça. C'est stylé. Et voilà, on démarre le boxing en beauté. Donc, nous avons le code que je ne vais pas vous montrer parce que sinon je me serais fait avoir. Donc c'est pour le jeu, voilà. Donc je ne vais pas vous le montrer. Ensuite on a un Wii Karaoke Wii U 7 jours avec le code. Voilà. Ça aussi je ne vais pas vous montrer. Donc ensuite on a un petit peu des notices pour vous expliquer comment installer la Wii U et voilà, mettre les câbles qui vont avec. Ensuite on a un Nintendo, attendez, on a, comment ça s'appelle ça, alors ça c'est un code pour 5€ de réduction sur le network premium. Bon je sais pas, on va pas s'attarder dessus. Ensuite on a le club Nintendo, voilà, on a le club Nintendo. Ensuite on a plein de notices hein, il faut le dire, il y a plein de notices. Ce qui nous apporte c'est le gamepad et la Wii U essentiellement. Donc on a plein de notices hein, encore une fois. On est très très bien informé dans le Wii U, le guide Wii U. Ensuite on a les câbles, le bloc d'alimentation, tout ça, voilà, bloc d'alimentation. Alors ça j'imagine que c'est la prise d'alimentation, voilà, c'est le jeu, comment ça. Ensuite qu'est-ce qu'il y a, il y a pas mal de trucs franchement. Qu'est-ce que c'est que ça, ça je ne sais pas c'est quoi, je sais pas c'est quoi. Je sais pas du tout, mais ça à mon avis j'estime que ça va être le câble HDMI qu'on vous offre dans la Wii U. Je sais pas si on l'a dans le pack de jeu, mais ça je sais plus si ça sera quoi en fait. Ah je crois que ça doit être pour le swap du gamepad. Voilà. Ensuite, on a énormément de trucs. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Je sais pas quoi, je sais pas ce que c'est. Il y a énormément de trucs, bon après quand je vous avais un petit peu énoncé, donc ça c'est le capteur de la Wii, donc à mon avis on peut utiliser le capteur de la Wii qu'on avait sur la Wii U. À mon avis ça doit marcher, c'est le même capteur, ouais c'est le même capteur, donc c'est trop sympa. Voilà, donc là on a le carton, on fout un peu. Voilà. Et le gamepad. Le gamepad, et elle est où la Wii aussi, c'est bien. Voilà. Donc. Ce qui est un petit peu dommage concernant la Wii U, ah j'ai oublié de dire le prix de la console, donc elle a 300€, l'édition limitée Zelda. On a aussi une autre édition limitée de Zelda Breaker HD sur la Wii U. Donc par contre elle est extrêmement rare, même les packs comme celui-ci que j'ai eu, j'ai quand même galéré à l'avoir, et donc je l'ai eu en plus un jour en avance. Donc je remercie à Stock Mania. Attendez, c'est quoi déjà? C'est Stock Game, excusez-moi, c'est Stock Game, donc big up à eux, Stock Game, vraiment très très bon produit qu'on a. Donc là on a la Wii U, donc je vais un peu vous montrer. Voilà, on a la Wii U comme ça. Attendez, comment? Ça doit être comme ça. Voilà. Donc là c'est la Wii U. Voilà. Bon c'est un petit peu dommage qu'ils ont pas designé donc en version Zelda Collector, c'est un petit peu dommage. Mais ce qui nous intéresse le plus c'est le gamepad Wii U.
qui est vraiment sublime. J'avais regardé une vidéo sur, sur internet, sur YouTube, sur la version américaine. Et oh là là, qu'est-ce qu'il y avait magnifique. Donc je vais vous la montrer. J'ai un petit peu poussé la table et je vais vous montrer. Elle est vraiment magnifique. Attends. Il y a des petits replays, je suis désolé. J'espère que vous la voyez bien. Voilà. Donc vraiment, vraiment très très beau produit. Je suis vraiment très très content de Nintendo là, au prix de 300€. Donc qui est vraiment pas cher. Concernant la Wii U de base, au lancement de la Wii U, elle coûtait dans les 400€ avec le pack Zombie U Nintendo Land. Donc 400€, et là on a 100€ de réduction. En plus on a vraiment un gamepad sublime de Zelda. Vraiment, je suis très très content. Et je pense que ça se voit au visage tellement je suis vraiment très très content de d'avoir acquis cette Wii U édition limitée Zelda. Maintenant, on va passer tout de suite. On va passer tout de suite au test. J'espère que mon AverMedia va marcher. Donc, je vais installer les câbles et tout ça, donc en hors champ évidemment. Et si ça marche, si l'AverMedia marche, je ferai un let's play sur The Legend of Zelda, The Wind Waker HD sur la Wii U, donc en haute définition hein, cette fois-ci. Et je voulais dire aussi, donc, qu'est-ce que je voulais dire essentiellement? Je voulais dire qu'il y a pas mal de nouveautés concernant ce Zelda, donc une refonte graphique, mais pas que. Il y a aussi une voile supplémentaire, le Miiverse, etc. Je vous expliquerai ça, tout ça dans le let's play ici. Mon AverMedia marche. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc c'est mon premier unboxing. Je sais pas si on dit unboxing ou unboxing, je sais plus trop. Mais je suis vraiment très 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 content de cette console Wii U. Donc si vous voulez voir un petit peu la boîte comme ça, voilà. Est-ce que vous la voyez bien? J'espère que vous la voyez bien, voilà. Et je suis vraiment très très content. Au prix de 300€, elle sortira le 4 octobre officiellement. Moi je l'ai eu un petit peu en avance, ça sera comme Pokémon Y, je l'aurai à peu près, je pense que on est en quel jour? On est jeudi. Jeudi 3, donc je l'aurai sûrement lundi. Pokémon XY, j'aurai lundi, donc je commencerai le let's play avec cette cam. J'espère que cette cam sera suffisante pour afficher des images de la 3DS en filmant, voilà. Donc je suis vraiment très très content, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux liker la vidéo si tu as aimé, tu peux aussi commenter si tu veux voir si tu as aimé l'unboxing, ou si tu veux que je fasse d'autres unboxings très prochainement. Je suis sûr que je ferai un unboxing de Pokémon Y, parce que j'ai acheté Pokémon Y, mais j'aurai Pokémon X gratuitement, voilà. Par quelqu'un, donc un énorme remerciement à Justin Nike, merci encore, et encore remerciement à Stock GM, encore une fois, qui fait des réparations de jeux, qui fait des produits divers et variés, ils font des, comment ça s'appelle, ils ont même un Facebook, si vous voulez, je mettrai aussi le Facebook du Stock GM. Ils ont aussi, ils font des réparations, ils font des produits dérivés, ils font énormément de choses, ils font des produits en occasion, neuf, etc. Et c'est vraiment à des prix pas chers du tout. Donc je vous recommande cette boutique. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube si tu veux suivre le quotidien de mes let's play et de ce nouveau let's play. Dès maintenant, dès que j'ai fini cette vidéo, je pense que je vais mettre les câbles en route, télécharger ce petit jeu et on va tester avec l'AverMedia. Si ça marche, c'est nickel. On fera let's play. Si ça marche pas, j'achèterai un autre AverMedia, mais j'espère que ça marchera. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous êtes plus de 1229 personnes à me suivre sur ma chaîne YouTube. Ça me fait extrêmement plaisir. Encore une fois, un énorme remerciement à vous. Vous êtes fantastiques, les abonnés. Ne changez pas, vous êtes superbes. Allez, salut tout le monde!